mal, j'espère que ça l'aggrave pas, sinon vous me le dites et puis je referai un truc pour remettre en version haute et puis pas plus. Alors, j'ai juste des petits trucs à faire. Je me rappelle absolument jamais. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bon. Donc, du coup, tout à l'heure, j'ai joué peut-être juste 5 minutes pour débloquer la scène de la dernière fois où je me suis fait bouffer 2 fois de suite. Donc, je suis pas allée bien loin, hein, je suis juste. Je suis allée dans la salle où il y avait la nana allongée avec. Qu'a fait sortir l'alien en fait. J'ai récupéré le truc médical là, la boîte que je devais descendre à mes copains qui sont mal en point. Et à cet endroit-là, il y avait l'alien qui arrivait, qui défonçait les humains qui étaient pas loin, et je me suis fait bouffer 2 fois. Donc là, j'y suis allée, j'ai esquivé l'alien, je suis retournée à une sauvegarde qui est pas au même niveau au niveau de la carte. Donc j'étais ici, là, dans la petite pièce. C'est quoi ce truc? Objet, outil, arme. J'ai oublié un truc. Bon, j'espère pas, parce que si j'y retourne, ça pue, quoi. L'alien fait le coin, fait le tour tout le temps. Donc du coup, j'étais là, je suis remontée, je suis revenue à la sauvegarde là pour pas avoir à faire la scène. Et l'idée, c'est, j'imagine, que j'aille soit à cette porte, soit à celle-ci. Enfin, une dans le coin pour arriver là. Arriver à la réception du centre médical. Loin du début, attendez, on a fait 3 lives d'à peu près. Le premier, c'était 3 heures, 2 heures, 2 heures. Ça fait. Non, ça fait 6-7 heures déjà hein, que je joue, je crois. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui ont raté le début, j'ai mis les. Les lives sont disponibles sur ma chaîne Twitch, normalement, si tout a bien marché. Et s'ils y sont plus, je les ai mis sur ma chaîne YouTube, dont je ne me rappelle plus le nom, mais je mettrai le lien sur Twitter s'il faut. J'espère que j'ai rien oublié d'important. Si quelqu'un peut me le dire avant que je me casse et que je fasse n'importe quoi et qu'il me manque un truc essentiel, faites-le moi savoir. Donc voilà, je suis revenue. Je suis revenue ici. Et ici, c'est où déjà? Je suis où? Ah oui, d'accord, c'est la salle où j'avais trouvé la carte passe. Donc, on m'a expliqué que je pouvais marcher debout. Que ça changeait rien. Parce que de toute façon, s'il me voit, il me voit. Donc je vais arrêter de ramper partout. Je risque de continuer à le faire de temps en temps parce que je suis une trouillou. Je vais aller là. Fouiller un peu. Alors. J'ai l'air d'être dans le bon sens. Oh. C'est de quoi ce bruit? Bon, apparemment, je suis seule, donc profitons-en. Profitons-en. Alors, parfait, tout droit. La réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Ripley, c'est un hôpital public. Il y a forcément une procédure d'évacuation. Très bien. Grosse banane. Ah ouais. De toute façon, je l'ai dit, c'est la semaine de la banane. Très bien. Alors la question, c'est est-ce que je passe par une pseudo-porte ici? Ou si je monte, je ne sais pas trop, je vais tenter ma chance à droite.
Je joue sur PS4. Donc la dernière fois, j'étais un peu trop concentrée. Je vais essayer de plus regarder un peu le chat et puis pouvoir vous répondre. Parce que de toute façon, si je meurs, je meurs et puis point barre. Donc je ne peux pas passer par là. Oui, c'est pour ça la pépé banane sur Twitter. Je dis que c'était la semaine des bananes. Puisque pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, les bananes chez moi, c'est que je me suis fait entuber d'une façon ou d'une autre. Et après, Evolve, la mise à jour PS4 et d'autres choses, voilà. C'est parti! Alors. Allez, m'énerve. Chou. D'accord, je voulais essayer là à ma gauche. Carte. Ça me servira, je pense. Alors. Non, ça me servira à rien, c'est un cul-de-sac. Zut. Il était trop bien, Evolve, mais je ne peux que vous croire, puisque moi je n'ai pas été capable de faire une seule partie. Bon, je vais aller dans les urgences quand même, parce que ça m'étonne qu'il y ait un truc comme ça et puis que ça soit pas intéressant d'y aller, donc. Toc. Ah, très bien, très bien, très bien! Ouh! Je crois que j'aurais pas dû aller là en fait. J'en profitais pour faire des trucs. Pff, des bombes, je sais pas si je m'en servirais honnêtement. Je peux pas faire des balles de flingue plutôt? Tous les patients en transition doivent fournir leur numéro d'équipage et leur immatriculation d'arrivage. Oui, je sais plus. L1, oui. Alors. Toc et toc. Ah oui, donc du coup, en optimal, ça marche bien ou pas? Vous avez pas l'air d'avoir trop de soucis, à part someone qui a une connexion en carton. Bon, allez. Je serais pas contre un bip 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 de sauvegarde, là. Genre. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, une question. Je n'en ai aucune idée. Donc, je sais que l'alpha, on pouvait streamer Evolve, donc je vois pas de... Chut. Y a des trucs à ramasser, des trucs intéressants. Alors ma question c'est est-ce qu'il y a une ouverture par laquelle il peut arriver ou pas? Non, il est juste dans les murs. Bon. Ah mais il y a une porte, je peux y aller. Très bien. Éthanol. Mon inventaire est vide. Il faut que je construise des choses. Je vais construire des choses. Bombe, je peux pas. Cocktail Molotov, je peux? Des infirmières synthétiques travaillent dans ces locaux. Vous pouvez également demander à recevoir des soins humains. Ah, il y a une ouverture là, mais elle est pas... Donc, je comprends pas, ils la mettent pas à la porte sur mon truc. Alors pour la personne qui vient demander, c'était quoi le jeu? C'est Alien Isolation. Ah!
Il y a une carte là. Il y a un alien pas loin. Oh, il déconne! Oh, je suis cachée! Très bien. Très bien, très bien. Eh ben, c'est reparti! Foiré d'alien. Je sais plus. Ah oui. Bon, allez! On y retourne. On aime bien faire des bisous à l'alien. Alors. Concentration. Oh, voilà. Il est au-dessus. Ah ah. Mais casse-toi. Ça fait déjà 6 heures que tu me fais chier. Allez. Il n'y a pas de bip bip. Oh, il y a un truc intéressant là. Hop. La réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Ripley, c'est un hôpital public. Il y a forcément... Ah oui. Allez. On s'en fout. On y va. Y'a pas de sauvegarde là. Chier alors. Carte! La carte. Hop! Donc là, au cas où. Mais apparemment, il vient pas. Voilà. Toc. Fini ton bordel. Fouiller un peu les jambes. Ah et du coup, il faut que je refasse mon medikit et tout. Bon. Alors, toi, donne-moi ce que t'as. Toc. Alors. Et là. J'avais fait une bombe, puis... Non, un cocktail. Que je peux en refaire un, quitte à faire. Un émetteur de son. Une mine. Émetteur de son. Vas-y. Hop là. Toc. Du coup, je vais ramasser un peu de camelot. Je dois avoir l'inventaire moins rempli, non? Quoi ce bruit? C'est rien. Ah, là-bas, il y a un bar. Il doit bien avoir quelque chose à... Oh! Un Minitel. Alors. Toucher humain. Non, 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 non. Ouais, ok. Tableau détourné. S'en fout. Portant de brûlure chimique. Asphyxie, strangulation manuelle. Ok. Non, non, non. Non, non. Ok. Erreur. Très bien. Comme le PSN. Alors, qu'est-ce que c'est? Rien.
J'ai déjà l'inventaire à nouveau plein. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Absolument rien. Oh là! Oh non, 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 non! Non, tranquille! Oh. Pas balancer des cocktails Molotov comme ça, hein? On va se détendre. Toum, toum, toum. Là. Hop là. Je peux faire quelque chose? Non. Très bien, alors ce coup-ci, je refais pas la même bêtise. Enfin, si, mais plus loin, plus caché. Je bouge pas. Tous les patients en transition doivent fournir leur numéro d'équipage et leur immatricule d'arrivage. Je bouge pas. De toute façon, il a pas de yeux. Enfin, si, il a des yeux, mais normalement, il me voit pas. Bon, il m'a vu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais il m'a pas bouffé! Je crois que j'ai... Je crois qu'il y a un bug. J'ose pas tourner. Oh putain, ce bâtard! Oh. Il joue. Il est gentil. Il est mignon. Ah l'enfoiré. Fois la même chose. Allez, vas-y, c'est bon, tu me saoules. C'était quoi ce bruit? Putain, mais va emmerder d'autres gens! Moi, je passe. On s'en fout. Hop là! Avance, Caro! La réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Il y a vraiment pas de sauvegarde dans le coin, j'y crois pas. Ils auraient pu mettre une sauvegarde dans la salle d'urgence. Ah oui, il faut que je repasse dans l'autre sens, c'est vrai. T'as genre l'impression de faire le même truc 30 fois. Ah non, je le fais 30 fois. Donne-moi. Non, y a pas. Très bien. Allez! C'est parti, on recommence. On se cache le temps que ça fasse ça. Alors. Je crois que quand je regarde les messages dans un Minitel, ils s'enregistrent. Donc là, ils ont pas dû s'enregistrer. Ah, mais il y avait un truc audio. Ah, mais je m'en fous. Veulent qu'on interdise l'accès au centre médical. Ils amènent une équipe pour découvrir ce que la patiente transportait. Même si je les ai avertis que c'était rapide, ils sont persuadés de pouvoir le coincer. Ils ont défilé. Je vais installer un centre médical provisoire à l'extérieur. Vous êtes en charge pour l'instant. Ne laissez pas Cullman vous amadouer. Je n'ai pas envie d'avoir à gérer ces auto-prescriptions avec le Marshall Waits qui nous tourne autour. Ah putain, je suis trop con. Hop là. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre, un medikit? Donc la sauvegarde est après là où je dois aller ou à mi-chemin de là où je reprends. Yeah, d'accord. Toi, donne-moi des choses, t'es mort de toute façon. Euh...
Toi, pareil. Regarde mes belles baskets. Alors, ça aussi. Et ça aussi. Ah, j'avais fait. Ouh, j'avais pas vu qu'il avait des munitions. J'avais fait un émetteur de son aussi. Ah non, je vais pas fumer, non. Par contre, j'aimerais bien que l'alien y fume. À coup de trucs qui brûlent ou je sais pas quoi. Alors. Bon. Faut que je trouve une meilleure cachette. Sauf que ça, c'était pas une cachette, Caro. Ah, y a pas mieux. Faut que j'aille tout droit, donc faut que j'aille de là où il vient. Aïe, très bien. Ah, puis comme par hasard, il vient plus de là-bas? Ou c'est une blague? Bah, la save la plus proche, elle est loin en fait. C'est celle d'où je viens. J'ai encore raté un outil? Ou je les prends et ils continuent de s'afficher? Shit. Qu'est-ce que c'est là-bas? Baie des ambulances. Bloc opératoire. Unité des armes. Centrale électrique amorcée, procédure d'évacuation de la maison médicale. Bon. Donc il a décidé de plus venir en fait. Oh putain. Ah, je me suis mis en dessous d'une bouche. Ah, descends pas là. Hein. Là, je l'entends très près dans mon oreille. Merde, je sais pas trop quoi faire. Ah, fais chier, hein. Au pire, je recommencerai. Ça me saoule. J'ai pris la carte. Oui. Allez. Bip bip! J'entends le bip bip. Il est où? J'entends. Ah oui. Ah oui. Sauvegarde! Bon, je peux mourir tranquille. Alors. Alors par où il peut arriver ce con? Par cette porte? Non, je crois qu'elle s'est verrouillée. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être le truc que je dois mettre en charge. Allez! Ça va le faire venir ça. Puis j'ai même pas trouvé une cachette. Allez. Une cachette, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait ça dans le coin? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que la porte est là-bas et vers... Pardon? Non, non, non!
C'est pas caché. Oh, pas le fou. C'est quoi ce bruit? Tous les patients en transition doivent retrouver leur numéro. J'aimerais quand même bien avoir une cachette dans le coin. Je sens pas du tout tous ces bruits là. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, m'appelle pas maintenant, toi, je peux pas parler. J'entends à la fois un androïde et l'alien. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne coûte rien. Je suis fiable. Vous connaissez mon visage, le lambda. Faut interagir avec le PC tout en évitant l'Android. Putain, mais avec la musique, j'entends pas les bruits de pas. Je le vois même pas, cet Android pourri là. Je sais pas où il est le PC en fait. Il est là. Ah non, mais pas ça maintenant là. Comment? Quoi? Pourquoi? Oh non. Faut que je retourne là-bas, là. Ouais, oui. Bon. Casse-toi à gauche. Je sors. Je vais à gauche direct. Je repasse par les urgences. Tudum. Tudum. Je devrais peut-être save. Ouais, je vais save. Le mec, il me regarde, mais il me voit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il est occupé. Et
il est en train de péter un plomb tout seul en fait. Pourquoi ils sont deux? Ah mais ils m'ont dit de pas safe parce que j'avais des ennemis proches, que c'était très con. C'est très con ou c'est pas très con? Vas-y, c'est très con, j'ai pas envie de me faire avoir comme ça. Putain, c'est pas ouvert. Putain, c'est une blague. Non ! Tu devrais fermer la fenêtre. Oui. Oui. Et bravo, Caro. J'aurais dû sauvegarder. Mais enfin. Ah, je suis trop con. J'avais complètement oublié la bouche au plafond. Bon, on la refait. J'aimerais bien savoir d'où il est sorti quand même le... L'androïde tout à l'heure. Voilà. Alors. Hé, il y a une trappe. C'était le moment de le voir. Il est handicapé l'autre. Par où il arrive en fait l'androïde? Ah, la trappe est verrouillée. C'est gentil ça. D'accord. La maison médicale Saint-Cristobal recommande à l'actuel Sixa voyager l'esprit tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Tous les représentants comme... Absolument rien. En fait, j'entends fort ses pas, alors qu'il est en bas. En fait, je sais, je vais sauvegarder maintenant. Pendant qu'il n'y en a qu'un. Ensuite, j'irai au PC. Ouais, c'est ça. Maintenant, maintenant, j'ai dit. Voilà, j'attends qu'il remonte. Ah, il y a de la bave, je peux pas passer par là. Quel enfoiré. Oh. Très bien. Alors, toc. Normalement... Il est en train de monter. Donc moi je me mets là, comme ça là, là comme ça je vois sa tête.
J'attends qu'ils descendent. Bonsoir tout le monde qui nous rejoint. Ah l'enfoiré. Allez, on la refait. Ça pue la merde. Oh putain, j'en étais sûre. Comment je prends mon flingue? Non, comment je te tue? Comment je te tire dessus? Oh, faut pas que je cours, y'a l'alien. Ah, c'est une très mauvaise idée. Ah putain, ça l'en fout. Ah. Non. Allez, lâche-moi. Allez, non, non, non. Lâche-moi. Putain, je peux pas passer par là. Si, je peux esquiver la trappe, oui. Vas-y, je m'en fous, je cours. Ah, oh, je m'en fous, c'est pas le chemin, putain. Comment je fais? C'est pas le chemin non plus. Je vais passer sous la trappe. Ou pas. Si, je suis obligée. Non, je l'esquive. À gauche. À gauche. Cours. Et à un moment, arrête de courir. Mais pas tout de suite. Je m'en fous, allez. Ensuite. Porte. Porte. Il faut que je trouve une cachette très vite. Et que j'arrête de courir. Il faut que j'aille tout droit. Bon, je vais me calmer. Je vais me calmer. Je vais me calmer. Allez. Allez. Je vais les save. Oh putain, merde. À droite, vite. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Là, il y a une sauvegarde. Il y a personne qui arrive. Il y a personne qui arrive. Ah, oh, putain. Ah, oh, putain. Oui, je veux sauvegarder. Voilà. Ça y est, je vais mieux. Bon, maintenant je peux mourir. Donc, je ressors. Je vais à droite. Et je retourne là où j'étais allée. Je m'en fous, j'ai dit que je pouvais mourir maintenant. Je vais attendre que mon souffle revienne. Il est là. Vous l'entendez? Moi je l'entends.
C'est pas grave. Vas-y, j'ai rien à perdre. Il y a une sauvegarde pas loin. Ah non, il va me tuer. Le rire nerveux. N'essayez pas de semer l'alien, c'est peine perdue. Oh. Je suis, ah oui. Oups. J'ai pas eu le temps de me cacher. J'ai pas eu le temps de me cacher. J'ai très peur. Je comprends pas ce qu'il vient de faire. Il est remonté juste à côté de moi, là. C'est une blague! T'es vraiment une tapette, l'alien, hein. J'ai même pas peur, moi. Ah non, il est revenu. Allez, casse-toi, je peux même pas... Oui, il est un peu pas Dieu, mais en même temps, tout à l'heure, il m'a vu plein de fois scandaleusement. Ah, bon, bah, je pense qu'il m'a vu. Ah bah, c'est... adieu. Au revoir. Ah, putain, j'aime pas quand il me prend par derrière comme ça, hein, ça me plaît pas beaucoup. Putain. Vas-y, high five. On y retourne, c'est parti. Bon, si je meurs trop de fois de suite... Bah, nique, hein, j'arrêterai. Alors, attendez, on a dit qu'il arrivait droit dans ma tronche. Est-ce qu'il y a un moyen de contourner ? Non, il n'y a pas un conduit, là. Bon, les conduits sont pas mes amis, mais... Non, peut-être pas. Je suis censée avoir le lance-flamme, là? Quelqu'un vient sérieusement de demander comment on dit xénomorphe en italien?
C'est pas moi qui vais vous le dire. Alors. Toum toum toum. Merde, je me suis trompée de touche. Bon, allez, hein. Moi, j'en ai marre. Très près. Très très près. Un peu trop près. Ah bah il m'a vu. Ah. Attends, tu me vois pas quand je suis en face de toi et puis là... Sérieux, va t'acheter une vie. Alien de merde. T'es caché là? Ouais, écoute, quand je me pose juste en face de lui et que je bouge pas et qu'il fait lumière, il ne me voit pas. Et là, il me voit. Foutage de gueule. Il a pas de copain, c'est tout. 15 fois après la même scène, Caroline a continué le jeu Alien Isolation. Isolation. Bref. Ou alors, elle a rage quitte et balancé sa PS4 par la fenêtre. Pourquoi je viens de courir? J'ai pas fait exprès. Vas-y, je vais essayer autre chose. Je vais voir s'il n'y a pas un conduit là-bas. De toute façon, au point où j'en suis, vous vous en foutez que j'essaye des trucs, non? Ah, c'est un cul-de-sac! J'étais pas debout en plein milieu du couloir, hein. J'étais accroupie. Bon, on a bien vu tout à l'heure, il vient pas par là. Il vient pas par là. Du coup, c'était pas un conduit. Et puis, ben, il doit pas y en avoir un dans la piste là-bas non plus. Donc, je suis obligée de passer par là. Je suis obligée. Zut. Allez, lève-toi, on y retourne. On y retourne peut-être pas. Apparemment, je suis pas toute seule sur le coup. Bah, je vais faire un petit tour, hein. Genre, pourquoi je l'entends? C'est pour toi! Oh non, c'est pas moi! Arrête! Lâche-moi, j'en ai marre de toi! Non! Non! Ce live est scandaleux. Je suis vraiment désolée. Bon, je vais réessayer la technique de tout à l'heure, mais je m'arrête pas en mode vieux caméléon. Allez! Ce coup-ci, c'est pour nous. Toum toum toum. On regarde pas le radar. Il y a de la bave. Je suis sur le bon chemin. J'ai foi en la vie. Ah! Ah! Ah!
Oh putain, c'est une blague! Tu m'as pas vu? Je suis arrivée hyper discrètement. J'ai été super discrète, on est d'accord. Attends, il y avait de la bave et le mec, il est dans la pièce d'à côté. C'est une blague, quoi. Genre, il y en a plusieurs. Oh putain, j'ose pas bouger. Bon. Allez! Allez, mais tu vas là où je veux aller, t'es vraiment pas cool! Attendez, c'est derrière, comme derrière dans la même pièce? Il est là, je l'entends. Non, je l'entends. Mais la musique est tellement forte que... Il est là, j'en suis sûre. Ça me gave. T'as un peu de silence. Zut. Tu m'embêtes. J'aimerais bien savoir ce que c'est au bout, si c'est un ascenseur, si je peux l'esquiver, si... Je sais pas s'il y a une bouche au-dessus. Il est là. Bon, il est parti. Par où je me suis... Oh putain, je suis rentrée dans une pièce pas la bonne. Eh merde. Il peut pas y avoir une sauvegarde là. Évidemment. Là, une sauvegarde.
Vous savez, oh, me faites pas ça, les gars. Les médicales sont limitées, l'effet psychologique de l'espace lointain sur les patients, ce genre de choses. Mais putain, c'est fermé. J'ai entendu que récemment, il y a eu une sorte d'incident à l'hôpital. Personne... La porte est fermée. On a l'air au courant. Docteur, s'il s'agit d'un problème grave de santé publique sur Sébastopol, les gens doivent savoir. Je travaille à mon compte, sans parti pris. Je n'ai aucune affiliation avec quelque compagnie que ce soit. Je noterai toutes les déclarations que vous souhaiterez me confier. Appelez-moi. J'entends des bruits chelous, là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un objet, ils me disent. Ah, oh, putain. Je sais pas où je dois aller, là. La panique. Ah! Putain. Arrête de stresser comme ça, là. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Échappez-vous. J'ai bien compris, oui. Échelle, échelle qui brille. Pourquoi tu brilles? Fais quelque chose. Ah! Bien joué. Vas-y, monte là. Encore? Ouais. Allez, t'as échappé à un alien là, fais pas ça. Monte. Oh, je suis perdue. Allez, allez. Non mais c'est un conduit, c'est pas bien. Elle est folle, elle. Ah, j'aimerais bien un bip bip bip. Putain, j'ai peur. Chut. Oh, ce stress intense. Je suis quand même pas encore dans un... Oh, c'était intense. Allez, bip bip bip. On veut une sauvegarde. On veut une sauvegarde. Parce que là, la dernière serait très très loin, quand même. Là, je suis contente, j'ai avancé. Oh, putain. Défaut détecté. Fermeture en cours. Oh, j'entends pas le bip bip. Oh, j'entends pas le bip bip. C'est dégueulasse de faire des trucs comme ça. Vous êtes vraiment des sales... Des sales sales. Donc là, si je meurs, je me fais entuber comme jamais, quoi. Tout droit. Attends. À gauche. À
Ah putain, je suis trompée de touche. Je sais même pas où je dois aller. Dites-moi que je suis tranquille, parce que ça serait franchement le pire fist de ma vie si là, franchement, je devais me faire tuer et que je devais tout recommencer. Je pense que je rage quitterais et que jamais je retoucherai à Alien Isolation. Plus jamais de la vie. Droite. Oh putain. Bip bip! Il faut que je répare ça. Je m'en fous, sauvegarde. Oh. Ascenseur défaillant, réparation. Anne. Quoi? Ah, ma vie! Oh, j'ai pas de carte, j'ai rien. Il fait chaud. Retournez voir Taylor avec le matin. Parcours ici, pour trouver un autre chemin. Afin de retourner au transit, vous avez la suite. Faut que je répare ça. Bon. Oups. Sauf que, ouais, je sais pas où vont les choses. Bon, au moins, si je meurs, je meurs. De toute façon, je vais faire qu'une heure et demie ce soir. Parce que ça a été intense. Et puis, vendredi, on est le combien? Ok. Bah, vendredi 8, on fera la suite. Donc là, je vais essayer cette séquence. Je sais pas combien de temps elle doit durer. Ah bah oui, l'alien est encore là, sinon c'est pas drôle. Et puis sinon, on fera la suite. Incessamment sous peu. Y'a de la bave. Je vois pas de bave. Y'a un conduit. Ah oui, on est mercredi, on n'est pas mardi. Ça rêve. Désolée, Calvin, toi qui voulais jouer. Tu veux, tu peux y aller. En tout cas, j'ai bientôt fini. Donc, tu seras libéré. Oui, bah vendredi 7. 7 ou 8 ? Mercredi 5. Oui, très bien. Vendredi 7. Bref. Ça m'aide pas à avancer, tout ça. Comme si j'avais envie de retourner dans le conduit. J'ai l'impression que je suis pas seule. J'ai l'impression que j'arrive à un endroit... pas bien. Mahoney était vivant. On s'est fait attaquer. Des pilleurs. On a tout vu sur les images de la sécurité. Vous pouvez piloter ? On est coincé. L'ascenseur est en panne. C'est juste à côté de l'entrepôt des systèmes et des synthétiques.
Il y a plein de trucs pour le réparer. On sait pas trop où chercher. Enfin, mettez en marche un androïde de réception. Il est malade ou quoi? Peterson demande si t'es pas devenu complètement taré. Je te rappelle que ces trucs se sont mis à attaquer tout le monde. Ces trucs? Ça devrait pas poser de problème de parler à les androïdes. Ok, terminé. Enfoiré. Ça devrait pas poser de problème? Ben moi je vous préviens que je vais pas faire ami-ami avec un de ces trucs. De toute façon tu vas te faire manger. Ah. J'ai entendu un bruit de... de bavouille ou de mâchage. De... d'alien. D'accord. Formation des techniciens. Ah mais les mecs sont juste là en fait. Ils doivent pas aller réparer l'ascenseur. Ah si, je sais. Quoi ce bordel? Bah, je sais, mais je me suis trompée de touche. Qu'est-ce qui se passe? Attraper les pieds. Bon. Zut. Transport défaillant. Réparation requise. Ouais. Bordel, c'est bon, arrête de paniquer. Le conduit, c'est pas génial quand même. Bon, c'est quoi déjà la touche pour se pencher discrètement? C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, écoutez. Il est 1h13. J'ai envie de me faire un kiff. Et on va arrêter après ce kiff. Ça vous va? J'ai envie de tuer des gens un peu. Oh putain, j'ai plus de... Mais qui c'est qui m'a tué? Mais qui c'est qui m'a tué? Mais j'ai même pas eu le temps de profiter. Très bien. Je vais vous balancer un cocktail Molotov. Voilà, ça sera la minute Carola psychopathe. Hein ? De toute façon, j'ai tué des taupes cette nuit. Alors, moi, je m'en fous. Voilà, cocktail Molotov. Ah putain, comment on le lance ? Fait du bien, en plus j'ai gagné un trophée. Ils m'ont même pas tiré dessus tout de suite. Bon, je réessaye sérieusement et puis après j'arrête. C'était un petit coup de folie. Un coup de folie. Bon, allez, merde, je me suis trompé de touche. Ouais, en fait, c'est ça. Si tu veux te faire plaisir dans le jeu, t'as le droit à 30 secondes et après t'es mort.
Mais je vais pas faire le coup du conduit ce coup-ci, c'est bon. Bah je sais que j'ai pas le droit, oui. C'est vraiment horrible, hein. Mais moi, des fois, j'ai envie d'avoir le droit. Parce que là, je prends tout ce stress, là, je l'emmagasine en moi et jamais il ressort. Comment je fais? Hein? Oh, le gars, il m'a regardé, il a rien vu. Faut obligatoirement que j'aille dans le conduit, d'accord. Personne ne me voit. Je pars, l'air de rien. Je ramasse ceci. Mahoney, t'es vivant. On s'est fait attaquer. Des pilleurs. On est coincé, l'ascenseur est en panne. Vous êtes juste à côté dans le corbeau des systèmes et des scientifiques. Il y a plein de trucs pour le réparer. On sait pas trop où chercher. Un bébé en marche, un androïde de réquisition. Il est malade ou quoi? Peterson demande si t'es pas devenu complètement taré. Je te rappelle que ces trucs se sont mis à attaquer tout le monde. Il reste amico tant qu'on fait rien d'interdit. Ça devrait pas poser de problème de parler à un androïde dans un entrepôt. Il saura comment réparer l'ascenseur. Ok, terminé. Enfoiré. Ça devrait pas poser de problème. Quoi ça? Caché. Je suis caché. J'ai peur. Je sais pas si la trappe s'ouvre automatiquement ou si je fais une touche, donc j'ose pas avancer. Putain, mais elle peut pas marcher plus discrètement, elle? C'est fou, ça. Très bien. Putain, mais j'ai peur. Bien. Je pense que tout est dit. Je faisais pas de bruit. Bon, si. Faut dire qu'elle faisait autant de bruit qu'un hippopotame qui essayait de passer aussi dans le conduit. Mais bon. Du coup, je pense que c'est une jolie fin. Même s'il m'a attrapé par les pattes alors qu'il était en face. Et donc ma sauvegarde,
Elle est à côté de l'ascenseur qui est cassé. Donc on reprendra là vendredi, je ne sais pas encore à quelle heure. Et on essaiera de continuer encore de survivre et non pas mourir. Voilà, donc je vous remercie tous ceux qui étaient là ce soir. Je sais, je suis trop lente, mais aujourd'hui je me suis trouvée un peu moins lente et j'ai trouvé ça cool. Et si ça me plaît, c'est important. Et si ça plaît à certains, c'est encore plus important. Donc voilà, merci beaucoup. Je mettrai le lien de la chaîne pour ceux qui veulent revoir en rediff et le lien de la chaîne YouTube pour ceux qui veulent voir les épisodes qu'ils ont ratés. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve sur Twitter ou alors plus tard. Ciao!